C'est une situation parfaitement anormale qui aurait dû être évitée. Et donc c'est l'enquête, c'est ce que l'enquête va permettre d'établir, de savoir précisément quelle est l'origine et est-ce qu'il y a eu une faute, est-ce qu'il y a eu une négligence. On est en train de traiter toujours à l'heure où je vous parle les causes de ces émanations de gaz et c'est d'abord la priorité. C'est le travail qui est fait à l'heure actuelle. Le protocole est mis en place avec les résultats que l'on attendait, même si ça prendra, ces opérations prendront un certain temps. Il n'y a pas de danger pour la santé du fait de ces émanations de gaz. Je veux être très, très claire et très précise sur ce point, même s'il faut pas nier la gêne, bien sûr, de ces mauvaises odeurs. On est vraiment à des milliers de fois inférieur au seuil de toxicité de ce gaz. Et d'ailleurs, le préfet a rendu ce matin public aussi tous les éléments de mesure et tous les points de relevé. Merci.